N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Généralement, les cimetières sont classiques et sans histoire, mais en faisant les bonnes recherches, on s'aperçoit qu'il y en a certains qui sont loin d'être banals et qui surprennent par leur originalité. D'autres sont même effrayants, tragiques ou comiques. Il existe des cimetières qui ne ressemblent pas du tout à des simples espaces funéraires. Ces lieux exposent des éléments uniques et invraisemblables qui attirent les touristes et les curieux. Cette diversité des cimetières provient des rites culturels très anciens, qui honoraient les morts et pratiquaient déjà l'inhumation comme les hommes de Néandertal et les anciens Égyptiens. Tenez-vous bien, nous allons vous faire découvrir les cimetières les plus fascinants et les plus étranges. Voici donc les 7 cimetières les plus bizarres au monde. Rendons-nous au nord de l'Iowa, aux États-Unis, là où se trouve un cimetière étrange qui nourrit beaucoup de rumeurs inquiétantes. Si vous avez facilement peur ou si vous êtes superstitieux, mieux vaut que vous évitiez de faire un tour dans le cimetière d'Oakland. Ce lieu fait froid dans le dos. Sa particularité, c'est qu'il contient une angoissante statue d'ange noir, haute de 2,5 mètres et vieille de plus d'un siècle. Voici brièvement l'historique de ce monument qui a propagé la peur chez les habitants d'Iowa City et qui a failli inspirer un long métrage horrifique en 2013. Teresa Feldever, sage-femme, et son fils Edward quittent la Tchécoslovaquie et s'installent à Iowa City. Son jeune fils meurt tragiquement en 1891 et est enterré dans le cimetière local, le cimetière d'Oakland. Après ce drame, Teresa s'installe en Oregon où elle épouse Nicolas qui est décédé à son tour en 1911. Elle décide alors de retourner à Iowa City. C'est là que reposeront les cendres de son époux défunt. Mais par une inspiration étrange, la veuve Teresa commande une statue au sculpteur tchéco-américain Mario Corbel. En effet, on lui a fait une statue de bronze qui sort de l'ordinaire, sous laquelle seront posées les cendres de son mari. Mais cette statue n'a pas la forme habituelle d'un ange, avec des ailes déployées et la tête levée comme s'il est prêt à prendre son envol vers le ciel. Non, la statue est sombre et inspire un sentiment d'affliction et même de terreur. En plus, l'ange en question regarde vers le sol et sa couleur originelle s'est noircie par l'effet de l'oxydation. Cette sculpture, devenue une attraction locale, a enflammé les imaginations. Les jeunes habitants, pendant Halloween, se regroupent autour de la statue afin de percer le mystère insoluble de cet ange effrayant. Dans le cimetière de Roermond, aux Pays-Bas, se trouve une sépulture qui attendrit et donne à réfléchir. Dans ce cimetière, divisé en deux parties, les catholiques et les protestants ne se mélangent pas, puisqu'on a mis entre eux un mur de séparation. Il était interdit que des défunts proches et de confessions opposées reposent côte à côte. À l'époque, au 19e siècle, le régime néerlandais était fondé sur la ségrégation religieuse, où des catholiques, protestants et juifs vivaient isolément, selon leurs usages. Pourtant, Jacob van Gorkum, protestant, et Josefina van Afferden, catholique, sont pris d'amour l'un pour l'autre. Ensemble, ils bravent la réprobation sociale et se marient. Jacob meurt en 1880 et est enterré dans la zone protestante, tandis que Josefina meurt en 1888 et est enterrée dans la zone catholique. L'interdiction ne pourra pas être contournée. Donc, les deux amoureux ont été ensevelis contre le mur de briques et la hauteur des pierres tombales dépassait celle du mur. Et pour narguer une dernière fois la tristesse absurde des interdictions, une fantaisie touchante a été trouvée pour les unir malgré tout. Du sommet de chacune des pierres tombales émerge une main sculptée, et les deux mains se serrent précisément au-dessus du mur. L'amour triomphe toujours de l'adversité, et même dans la mort, son ingéniosité l'emporte sur les petitesses restrictives de la société. Le Forest Lawn Memorial Park vous dit peut-être quelque chose. C'est là où de grandes personnalités américaines sont enterrées, comme Michael Jackson, Ronald Reagan et Walt Disney, et bien d'autres encore. Ce qui fait le prestige de ce cimetière, c'est son emplacement. En effet, ce cimetière est environné des plus grands studios de cinéma américains, Universal, Walt Disney et Warner Bros. Fondé au début du XXe siècle, ce cimetière abrite plus de 119 000 tombes, et n'est pas seulement un lieu où on enterre des vedettes. C'est un site culturel historiquement important et qui contient de somptueux monuments artistiques. Hubert Leroy Eaton, l'homme d'affaires fondateur de ce lieu, a voulu créer un cimetière réjouissant où on fêterait des mariages, le type de cérémonie qui inspirerait de la gaieté. Oui, Hubert avait peu de goût pour les cimetières classiques qu'il trouvait mornes et désolants. Il était convaincu que la vie après la mort serait un long séjour de paix et de joie. Et cette croyance se reflète dans le cimetière qu'il a créé, un immense parc accueillant où les pelouses et les fontaines sont charmantes, sans édifications macabres et sans monuments austères. D'ailleurs, des mariages sont parfois célébrés dans les différentes chapelles du Forest Lawn Memorial Park. On est bien loin des cimetières glauques réputés hantés. Imaginez maintenant un cimetière qui serait comme une vaste galerie exposant des œuvres de l'art naïf. Vous circulez entre les tombes et vous voyez partout des stèles en bois chamarrées, riches de couleurs et de compositions. De véritables tableaux divertissants dont le style est un mélange d'art naïf et de culture valaque. C'est en quoi se distingue le cimetière joyeux de San Panta, en Roumanie. Ces stèles de couleurs vives représentent un moment de la vie du défunt, ou bien les circonstances de sa mort. Le ton de ces illustrations est presque toujours humoristique,
Il faut dire à ce propos que dans les vieilles traditions valaques, tout ce qui est lié à la mort est réjouissant. En effet, les rites funèbres étaient des fêtes et les obsèques se déroulaient dans le rire et l'allégresse. En 1935, un sculpteur roumain, Stan Ioan Patras, a créé le premier genre d'œuvre qui devait le rendre célèbre plus tard. Une épitaphe haute en couleur sur une croix de chêne dans le style valaque. Cette invention plut beaucoup et aujourd'hui le cimetière roumain est un véritable jardin multicolore contenant plus de 800 stèles aux ciselures riches et abondantes. Les dessins qu'elles arborent semblent être faits par des enfants. Et ces stèles, dont le fond est toujours bleu, sont rectangulaires et remplies de figures géométriques bizarres. Un court texte allégorique est parfois gravé en dessous du dessin, et comme vous l'imaginez, il s'agit la plupart du temps d'un mot humoristique sur la personnalité du défunt. Ce cimetière est un lieu touristique majeur de la région. À coup sûr, visiter cet endroit n'est pas démoralisant, et on est très tenté d'y aller, pas vous ? Direction la ville de Sagada, aux Philippines, dans une province montagneuse où une région subsiste une ancienne pratique vieille de 2000 ans. S'il nous est tout à fait facile de concevoir que les morts doivent être enterrés, les peuplades indigènes de Sagada ont des visions assez opposées. Pour eux, l'inhumation a beaucoup d'inconvénients. Alors ils suspendaient leurs morts au flanc des falaises ou les plaçaient dans des grottes surélevées. Cette pratique a toujours cours aujourd'hui, bien que les rites funéraires chrétiens soient de plus en plus observés. Mais quelle est l'origine de cette coutume ? Comme vous l'imaginez, il y entre beaucoup de superstitions et de mythes. D'abord, c'était pour raccourcir la distance qui sépare le ciel du défunt. Mais c'était aussi pour éviter que les chiens dévorent les dépouilles ou que des profanateurs les saccagent. En tout, il y a là un double avantage temporel et spirituel, comme vous voyez. De plus, les défunts, fixés en hauteur dans des cercueils qu'ils avaient eux-mêmes fabriqués, pouvaient toujours recevoir un peu d'air frais et quelques rayons de soleil. Seulement, cette pratique est coûteuse et demande du temps et beaucoup d'efforts. Seuls les riches reçoivent cet honneur. Quand un habitant aisé rend l'âme, il est d'abord recouvert d'étoffe et fixé à un siège en bois. Après l'avoir soigneusement embaumé, on le place au seuil de la maison à la vue de tous les voisins qui viennent honorer sa mémoire. Vient ensuite une autre singularité. Comme symbole de renaissance, le défunt est mis en position fœtale dans le cercueil qui ne mesure pas plus d'un mètre. Après quoi le cercueil est élevé au moyen de cordages jusqu'à ce qu'il atteigne une hauteur convenable. Malheureusement, les cimetières aériens de Sagada sont voués à disparaître, comme toutes les choses marginales de ce monde. Le bois de ces coffres se détériore à cause des pluies et de l'humidité, et il arrive que des cercueils chutent. Un cimetière qui est en train de mourir, n'est-ce pas tristement ironique ? La dernière suspension de cercueil a eu lieu il y a 10 ans, et de nos jours il en tombe plus qu'il n'en monte. Le cimetière d'Ekaterinbourg, en Russie, est unique au monde. Là sont enterrés de nombreux membres de la mafia russe et parmi eux les grands chefs du crime organisé. Après la destruction de l'URSS, les plus puissants d'entre eux ont tiré profit de l'instabilité du pays et sont considérablement enrichis. Et dans ces charmants milieux, l'étalage de richesses est de règle. Les plus riches ont trouvé un excellent moyen de frapper les esprits même après leur mort. Si vous vous rendez dans ce cimetière d'Ekaterinbourg, vous verrez au milieu de simples stèles funéraires des sculptures de voitures de luxe, des pierres tombales surdimensionnées figurant le défunt avec un réalisme frappant. Bref, les portraits représentent la personne décédée dans son plus grand jour. Et bien sûr, aucun signe de richesse n'est laissé de côté. Chaînes d'or, voitures luxueuses et des costumes onéreux ornent ces tombeaux exorbitants. Certains ont sculpté la cigarette à la main, d'autres devant une table sur laquelle est posée une bouteille de vin vide. À vrai dire, la démesure est partout dans ce cimetière. Vous n'y trouverez pas l'humilité chrétienne et ses symboles d'aspiration pieuse vers le ciel. Vous verrez plutôt de grands portraits de mégalomanes entourés de luxe. En Australie, au cimetière Mount Maidstone, se trouve une sculpture belle et originale qui suscite un attendrissement profond. En 1987, Lawrence Madsen décède à l'âge de 57 ans et sa femme Christina, désespérée, a eu l'idée d'exprimer son deuil de la façon la plus éloquente possible, en ayant recours à l'art de la statuaire. Quoi de plus beau et de plus expressif qu'une représentation d'amour éternel sur une tombe ? Christina demande au sculpteur australien Peter Shepherd-Hain de lui concevoir une œuvre en marbre de Carrare, en la prenant comme modèle. Cette sculpture représente Christina étendue sur le côté et au-dessus de la tombe de son mari défunt. Le bras droit de l'endormi, c'est le nom de l'œuvre, est tendu, noyé sous la chevelure éparse et les doigts agrippent nerveusement l'épaisseur du tombeau. On doit admettre que cette sculpture est belle et émouvante. D'ailleurs, beaucoup d'Australiens viennent visiter le cimetière pour l'admirer. Assurément, Christina ne pouvait pas mieux symboliser son amour indéfectible pour Laurence. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à dire en commentaire lequel de ces cimetières vous a fait la plus forte impression et pourquoi. Eh, ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus ? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain !